Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Là, c'est 2. 4, c'est 8. 16, 32, 64 et 1, 28. Et sur le tableau, choisir un modèle de tableau. Là, je cherche 0. Je ne cherche pas 128. Donc, c'est 0 qui va en dessous. Je cherche ni 64, c'est 0. Ni 32, 0. Ici, 0 parce que je cherche 0. Pas vrai? Ici, j'ai 0 en binaire. 0 en décimal par là. Et là, c'est la conversion en binaire. Comme je vous ai dit, lorsque vous ne cherchez pas un nombre ou un chiffre, vous mettez 0 en dessous. Là, on est dans ce petit tableau-là. Ici, on ne cherche pas 128, c'est 1 qu'on cherche. Donc, 0 parce qu'on ne cherche pas 128. Ici, 64 non plus. Et 32 non plus. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Et par contre, là, vu que c'est 1 qu'on veut écrire en binaire, eh bien, c'est ceci. Dans ce tutoriel, nous allons revisiter le code binaire ensemble. Je vais vous montrer pour comprendre un petit tableau des 8 cases qui vous permettra de bien écrire le binaire. Dans le cadre du réseau informatique, on est amené à convertir du décimal en binaire. Le binaire, c'est une base de 2. Vous avez 2 décimaux qui sont 0 et 1 pour écrire les chiffres et les nombres que vous connaissez, que vous pouvez. Des 0 à trilliard. Exemple, nous les êtres humains, nous comptons, nous écrivons en maths en décimal. Le décimal, c'est une base de 10. Donc vous avez de 0 à 9 pour écrire les nombres que vous pouvez. De 0 à trilliard, exemple. C'est la première partie d'une série de tutoriels pour but de vous faire comprendre le réseau informatique, ok, qui va vous permettre de créer un réseau. L'inconvénient avec le binaire, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc là, je peux venir dire data de conversion du décimal en binaire. Très simple, en binaire. Un code binaire représente un texte, des instructions du processeur ou toute autre donnée utilisant un système de 2 symboles. Le système à 2 symboles utilise souvent des 0 et 1. Dans le système de numération binaire, je joue pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans le système d'énumération binaire, le code binaire désigne une combinaison de chiffres binaires, également appelé bit. Le bit est l'unité la plus simple dans un système de numération. Ne peuvent prendre que des valeurs, désignées le plus souvent par le chiffre 0 et 1. Un bit peut représenter aussi bien une alternative logique, exprimée par faux et vrai. Un chiffre binaire, binary digit en anglais, dont le mot. Vous faites un peu de lecture si vous souhaitez. Ce sont des informations de Wikipédia. Donc voilà. Nous, on va déjà parler de octet, puisque un octet est égal à 8 bits. C'est des choses qui est déjà fait. On va refaire le tout pour que vous compreniez mieux. Là, c'est juste la base des bases. Comment ça va se passer? Le petit tableau que je vous ai parlé là, ça va se présenter comme ceci aussi. L'alternative le plus simple pour comprendre le binaire, c'est lorsque, par exemple, l'interrupteur que vous avez chez vous, si la lumière est éteinte, c'est à 0. Et lorsque vous appuyez dessus encore une fois, donc la lumière s'allume, donc ça vous fait 1. Lorsque vous voulez mettre ça à 0, ben vous éteignez encore une fois, que vous appuyez dessus, donc c'est à 0, donc il n'y a plus de courant. Ça, c'est l'alternative le plus simple pour comprendre le binaire. La taille du texte, donc je vais mettre ça à 16. Comme ça, vous allez mieux voir les 0 et les 1 qui vont être dans ce tableau. Bon, ça c'est la base, 0. On va faire le petit tableau de nos bases de 2. 2 à la puissance 8. Donc, ça veut dire qu'on aura 8 cases qui vont donner 256 caractères. Je vous prie de vous abonner, merci. On commence, vous avez 254 postes d'ordinateur à mettre dans un réseau. Eh bien, le petit tableau là, c'est ce que vous allez utiliser pour mieux comprendre. Après, ça va être très simple, et que vous allez comprendre, donc peut-être que vous allez vous en passer du petit tableau. Mais
Pour commencer, il vaut mieux vous concentrer et comprendre le petit tableau que je vais venir insérer une image pour dire que c'est mon travail. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. OK? Partagez s'il vous plaît, merci. OK. Et encore insertion. Et là, je vais mettre un petit tableau avec les cases. Ici, je vais prendre le tout. Là, je crois qu'il y a 9 cases. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 cases. 10 cases. On peut supprimer, on peut enlever, par exemple. Ceci est un petit tableau que vous allez comprendre assez simple. Tiens, donc je vais mettre ça au dedans. C'est ce que je vais faire. Je vais supprimer le tableau et placer ça. Il me l'a placé ici. Faut que ça soit en dessous, d'accord? Et cette fois-ci, je vais bien faire attention que je prends 9 cases. Après, on peut rajouter si on souhaite. Et je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc là, je peux venir dire retard de conversion du décimal Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. binaire. Très simple. Par contre, je vais essayer de voir si je peux faire ça propre d'une façon. Je vais laisser ça à 12. Même pas. Parce que j'aurais voulu que ça soit sur une même ligne. 9, ça va. Là, je peux même mettre de la couleur si je veux. Tiens, je vais prendre cette couleur-là. Du vert ou bien du bleu. Le bleu, ça va. Ici, voici la première partie, parce qu'il y aura trois parties, puisque on a dit qu'il y a trois classes à adresse IP et il peut y avoir beaucoup de machines à adresser dans un réseau informatique. Par exemple, ça, c'est la partie de la classe C. Donc, il vous donne 254 adresses dans un réseau informatique. Lorsque vous aurez plus dans un réseau informatique, il va falloir rajouter sur ce tableau-là. Donc, dans la partie 1, on ne va pas voir la deuxième partie. Okay? On reste sur la première partie. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Là, c'est 2. 4, c'est 8. 16, 32, 64 et 128. Vous avez un base de 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire 0 à la puissance 2, ça donne 1. 1 à la puissance 2, ça donne 2. Et 2 à la puissance 2, ça donne 4. Et 4 à la puissance 2, ça donne 8. Je vous prie de vous 8 abonner, merci. à la puissance 2, ça donne 16. Et 16 à la puissance 2, ça donne bien 32. Et 32 à la puissance 2, ça donne 64. 64 à la puissance 2, ça donne 128. Ceci dit, lorsqu'on fait ceci, je vais rajouter à droite une colonne. Là, en principe, vous avez 256 nombres. OK? On va voir comment on voit ça tout à l'heure. Je dois mettre, par exemple, égal 2, 5, 6 nombres. Je pense que vous suivez. Là, je peux mettre ça à 9 aussi, ça va le faire. Bien que ici, je peux aussi mettre à 9. OK.
256 nombres que vous pouvez coder à partir de là. OK? Mais ce qu'on va utiliser, on va éliminer le 0. Là, pour faire ceci, donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. J'ai un tableau. Choisir un modèle de tableau qui va m'aider à ça va dire que ici on va pas utiliser cette partie 0 là. Ok, on va plutôt partir à partir de 1. Ok, on va répliquer ceci. Ok. Voilà. Et ici, vous avez en principe 255 nombres. Okay, donc, si vous additionnez les tout là, vous allez trouver 255. Ok. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure. Ok. Là, en principe, vous allez trouver 255 caractères. Il faut savoir que un bit, une adresse IPv4 comporte une affaire de 4 octets de 8 bits. Ok? Une adresse IP. Partagez s'il vous plaît, merci. OK. Ceci veut dire ce que ça veut dire. C'est à cause de ça qu'on va devoir faire de la conversion. Bon. Si on fait un tour sur, sur Internet et taper octet, puisque nous aurons à parler de octets par la suite dans la deuxième partie ou troisième partie. De toute façon, on tape octets ici. Vous aurez ceci, octets en informatique. Un octet est un multiple de 8 bits codant une information dans ce système de codage s'appuie sur le système binaire. Un octet permet de représenter deux. Je vous prie de vous abonner, merci. À la puissance 8. Nombre, donc, soit 256 valeurs. OK? Différentes octets permettent d'écouter des valeurs numériques ou jusqu'à 256 caractères différents. Donc, vous avez certaines informations sur l'octet, donc. Un octet est égal à 2 à la puissance 8. Voici nos 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. On enlève le 0. Mais voici nos 2 à la puissance 8. Donc là, vous avez un octet. Un octet, la valeur d'un octet, soit c'est vide ou c'est plein. Ou soit c'est vide où il y a des données. OK? En passant par les bits. Maintenant, comment représenter 1 en binaire? 1 qui est le décimal que l'on trouve dans le codage binaire. Comment représenter 0 lorsque vous commencez à compter? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à X. Nous aussi, on a tendance à oublier le 0 lorsqu'on commence à compter, mais en principe on commence par le 0. À partir du 9, ben on utilise bien le 0 pour écrire nos nombres. OK, 10,
20 par exemple, 40 par exemple, 50, 60, 70, 80, 90. Donc, vous voyez, à partir de là, on a les zéros. On commence à coder en décimal. OK? Je vous ai parlé de trois façons pour comprendre ce petit tableau. La puissance, on a vu que 2 à la puissance 1, donc ça fait bien 2. 2 à la puissance 2, 4. 4 à la puissance 2, 8. 8 à la puissance 2, 16. 16 à la puissance 2, 60. 32. 32 à la puissance 2, ça donne 64. 64 à la puissance 2, 128. Ceci dit, comment en addition pour comprendre. En addition, il suffit d'additionner le chiffre en lui-même ou le nombre en lui-même. OK? Pour pouvoir trouver les résultats des cases. OK? 0 plus 0, ça donne bien 0. 1 plus 1, ça donne 2. Sauf que 0 plus 0, ça donne pas 1. En addition, l'astuce, c'est de partir du 0, si vous partez à partir du 0, hein, parce que on oublie les 0. Ça, si vous compliquez la chose, vous dites 0 à la puissance de 2, ça donne 1. Vous arrêtez au 1. Et à partir de là, vous commencez à additionner le chiffre et le nombre par lui-même pour pouvoir comprendre ce petit tableau en addition. D'accord? 1 plus 1, ça donne 2. 2 plus 2, ça donne 4. 4 plus 4, ça donne 8. 8 plus 8, ça donne bien 16. 16 plus 16, ça donne 32. 32 plus 32, 64. 64 plus 64, ça donne bien 128. Ça, c'est la méthode addition pour comprendre ce petit tableau. Si vous ne voulez pas passer par la puissance, ce qui est plus simple pour vous. Et toutes les façons, lorsqu'on aura à faire des additions en binaire, vous allez voir, parce que c'est pas la même façon qu'on fait des additions en binaire que en décimale. C'est beaucoup plus compliqué en binaire, mais très simple. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Que ça soit simple pour vous. Vous avez compris? Si vous partez à partir du 1 même, la méthode d'addition, donc c'est pareil, vous dites 1 plus 1, ça donne 2. Ok, 2 plus 2, ça donne 4. Et 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. 32 plus 32, 64. 64 plus 64. Ça donne 128. Maintenant, la troisième façon, là on a vu la puissance et l'addition, la multiplication. La multiplication, c'est très simple. Pareil, vous faites, si vous partez du 0, 0, ah, vous commencez par la puissance d'abord, parce que c'est la méthode binaire, c'est du puissance. 0 plus 0, donc, et 0 à la puissance 2, ça donne 1, ça c'est la règle. Maintenant, à partir de là, vous multipliez le chiffre par lui-même, et par 2 en fait. OK? Vous multipliez le chiffre par 2 pour pouvoir trouver le résultat du cas suivant. Deux fois 1, ça donne bien 2. Deux fois 2, ça donne bien 4. Et 4 fois 2, ça donne bien 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. 32 fois 2, 64. 64 fois 2, 128. OK? Maintenant, si vous partez à partir du cette partie-là, OK? À partir du 1, vous n'utilisez pas le 0. OK? Ben, c'est pareil, comme je vous ai dit. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, et 16 fois 2,
32. 32 fois 2, ça donne bien 64. Et 64 fois 2, ça donne bien 128. OK? Là, vous avez trois façons de comprendre ce petit tableau. Maintenant, comment on va passer au binaire? Comment écrire ton 1 en binaire? En décimale, pour écrire 1, il suffit que vous écrivez 1 comme ceci. Comment écrit-on 0 en binaire? En décimale, le 0, c'est 0. OK? C'est un seul 0 en décimale. À présent, en binaire, 0 ne s'écrit pas comme ça. En binaire, il faut que nos 8 bits soient à 0 pour que ce soit 0. En passant, je vous dis que un bit, la valeur d'un bit ne peut pas excéder 1. Elle ne peut pas être moins que 0. En binaire, pour écrire 0 en binaire, comment utiliser ce petit tableau? Eh bien, en binaire, lorsque vous ne voulez pas, eh bien, vous mettez 0 dans la case en dessous. Là, on commence à convertir. On a 0 à convertir en binaire. On va commencer par ça d'abord, ensuite 1, et puis je vais mettre fin à la première partie. Et passer à la deuxième partie, puis lorsque vous aurez des chiffres, par exemple, des nombres 254, 255, 7, par exemple, 17, 9, 97, jusqu'à 1000, vous allez voir comment placer, utiliser ce tableau-là en partie pour pouvoir coder vos nombres. Ici, je cherche 0 en binaire. Lorsque vous ne voulez pas quelque chose, par exemple, je cherche 0, je ne veux pas le 1, que c'est un 0. Vous pouvez commencer dans ce sens-là, ou bien dans ce sens-là. Mais la règle veut que vous commencez là où c'est beaucoup plus élevé. Par exemple, 128. Là, je cherche 0, je ne cherche pas 128, donc c'est 0 qui va en dessous. Je cherche ni 64, c'est 0, ni 32, 0 ici. 0 parce que je cherche 0, pas vrai? 0. Ici, j'ai 0 en binaire. Donc, c'est égal à 0. D'accord? 0 en décimale par là. Et là, c'est la conversion en binaire. Donc, si je mets 0 en binaire, puis je peux mettre cette signe-là et je vais plaquer 8 zéros ici. Là, si je veux, je peux mettre un peu de couleur pour dire que voilà. Ici, vous avez déjà 8 bits à 0. Là, vous avez un octet vide. OK? Donc, ça, c'est la valeur minimum qu'un octet peut être. Maintenant, si on va dire 1 en binaire, 1, je vais mettre égal, pas underscore, mais plutôt égal. Par contre, on n'a pas encore converti le 1 en binaire. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. 1, comme je vous ai dit, lorsque vous ne cherchez pas un nombre ou un chiffre, vous mettez 0 en dessous. Là, on est dans ce petit tableau-là. Ici, on ne cherche pas 128, c'est 1 qu'on cherche. Donc, 0 parce qu'on ne cherche pas 128. Ici, 64 non plus. Et 32 non plus. Ici non plus. Ici non plus, ici non plus, ici non plus. Et par contre, là, OK, on y a un là. Donc, vu que c'est un qu'on veut écrire en binaire, eh bien, c'est ceci. Bon, maintenant,
Vous devez savoir une chose. Ce résultat-là, une fois sur le tableau, vous le posez comme ceci. Mais une façon. Il y a une façon. La façon, c'est de poser à l'inverse. OK. L'inverse, c'est ça. OK. Là, vous avez un binaire. 7, 0 et 1, 1. Bien que sur le tableau, vous avez vu que c'est posé comme ceci, le 1 en premier. Parce que si vous mettez le 1 en premier, là, à la place de ces 0-là, ça voudrait dire 128. De toute façon, vous avez vu la base du binaire. Donc, par la suite, on va faire la conversion des plus grands nombres, puisque les adresses IP, ça peut être. Voilà. Et notamment, la deuxième partie du tableau, plus la troisième partie, pour que vous puissiez emmagasiner ça. À la fin, commencez à mettre vos réseaux informatiques en place à la maison ou au travail. Bien comprendre comment ça fonctionne, ces systèmes binaires, et que vous soyez un bon administrateur de réseau. Donc, les réseaux n'auront plus de secrets pour vous si vous suivez les tutos toujours sur cette chaîne. Donc ça, c'est la première partie qui a pris fin. Donc la deuxième partie viendra. Donc voilà. Donc ici, on peut dire que c'est égal à 1 décimal. Hein. Et du coup, vous avez vu, effectivement, il y a de la place. Tout ça pour 1 et en décimal, vous avez qu'un 1 plaqué. OK? Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de couleur. C'est mieux. Donc là, vous avez la première partie avec pas mal d'informations sur le début. La deuxième partie viendra. Donc, je vous propose de vous abonner, partager, liker. Et puis, à bientôt.